une faveur, comme une fleur, une erreur. OK. Elle a les oreilles sales, il faut les maquiller. Fait que, comme vous pouvez voir, Jacinthe a des gros pores de peau. Alors, la base, là, si je voulais me maquiller toute seule, Marco, à la maison, là, la base d'un beau maquillage, c'est quoi? À part la peau bien hydratée. Parce que c'est bien important d'hydrater la peau. Oui. Ici, tu vois, pour notre ligne de maquillage chez Maison Jacinthe, on a en fait deux produits pour venir unifier le teint. On a notre fluide de teint qui va donner une couvrance de léger à moyen, mais qu'on peut venir aussi donner un fini un petit peu plus couvrant. Mais si vous aimez plus de couvrance, on a nos fonds de teint en crème. Donc, le fond de teint en crème, c'est vraiment, on fait un fini de médium à très couvrant. C'est bon pour même pour les peaux qui sont un peu déshydratées, donc sèches, et même ceux qui ont la peau un peu plus grasse. Oui, et ce qui est fantastique avec les fluides de teint et les fonds de teint, c'est qu'ils sont naturels, donc ils ne bougent pas les pores de peau. Ils permettent, et en plus, il y a des ingrédients actifs, la peau respire, donc si on a des problèmes de boutons puis on veut les camoufler, c'est merveilleux d'y aller avec un fond de teint comme celui-là, comme le fond de teint crème. Donc, il va avoir la couvrance, mais il ne va pas nuire, il ne va pas boucher les pores de peau. Puis en même temps, comme on a des ingrédients actifs, des huiles, tout ça, dans les deux produits, puis il ne faut pas avoir peur des huiles, au contraire, ça vient nourrir en profondeur. Donc, on hydrate la peau, on ne sent pas sous un masque, tu sais. Oui, ça c'est vrai, puis ça va venir donner aussi un fini peau. Tu sais, je veux dire, la peau, c'est lumineux en partant, donc il ne faut pas venir non plus trop matifier. Donc, nos produits, moi, je les aime comme ça, puis à chaque fois que je maquille, j'utilise tout le temps des produits qui vont quand même rester, qui vont donner un effet peau au visage parce que c'est beaucoup plus naturel. Donc, avec un fluide de teint comme ça ou le fond de teint crème, on vient unifier le visage, puis on pourrait mettre un peu de mascara, du rouge à lèvres, partir pour le travail. Exactement. Que c'est un cerveau. Mais non, c'est l'intestin. C'est un bout d'intestin, en fait. OK, je ne l'avais pas. On connaît tout ça. Oui. Donc, tu as apporté ça parce que pour toi, la santé commence. Pour moi, la beauté commence dans l'intestin. Pour toi, la santé commence dans l'intestin. Oui. Puis, les produits que tu as, c'est pour venir... cleaner, rétablir l'équilibre de l'intestin, nettoyer l'encrassement de l'intestin par un mode de vie qui était contre nature. Parfait. Qu'est-ce qui peut endommager, à part la malbouffe, là, qu'est-ce qui peut venir endommager ou encrasser un intestin? Bien, comme j'expliquais l'autre fois aux gens, le corps humain a été créé avec 4 organes éliminatoires. Vous avez l'intestin, les reins, la peau et les poumons. Donc, votre corps cherche tout le temps à se garder propre lorsque vous allez à la selle, lorsque vous urinez, lorsque vous suez, puis lorsque vous expirez. Puis l'intestin, c'est vraiment l'organe le plus important de l'élimination. Nous, on dit que l'intestin élimine environ 70-75% des déchets que votre corps produit au niveau cellulaire, puis que le corps absorbe par la pollution de l'air, de l'eau, des aliments. Fait qu'avec le temps, comme j'expliquais l'autre fois, notre intestin a 12 fois la longueur de notre colonne vertébrale. Le seul animal qui a été créé comme ça dans la nature, c'est les primates. Autant les petits primates que les gorilles, lorsqu'on ouvre leur corps, lorsqu'on regarde à l'intérieur, c'est exactement comme le corps humain. C'est exactement 12 fois la longueur de la colonne vertébrale. Puis ce qui va encrasser l'intestin, comme Jacinthe me demandait, c'est les aliments qu'on appelle mucoïdes. Les aliments comme le pain, les pâtes, les muffins, les croissants, les biscuits, les gâteaux, les patates, fromage, yogourt, tout ce qui est collant et gluant, on appelle ça des aliments mucoïdes. Mucoïdes pour mucus. Oui, pour mucus. C'est des aliments qui collent sur la paroi. Là. Comme si on fait un spaghetti, on prend une nouille, on l'envoie sur le mur, ça colle. Ça va coller au niveau de la paroi de l'intestin, puis ça crée une plaque mucoïde qu'on appelle. Puis l'intestin étant chaud et humide,
ces aliments-là qui collent à la paroi à tous les jours, parce que votre intestin devient collant. Donc, à tous les jours, quand vous mangez, il y a toujours des particules alimentaires qui s'accumulent graduellement. Donc, la plaque a tendance à augmenter de plus en plus. Puis, à cause de la chaleur et de l'humidité de l'intestin, les aliments qui restent collés dans l'intestin trop longtemps fermentent. Puis là, c'est là que vous avez des gaz, des ballonnements, mal dans le bas du dos, des maux de tête, des migraines. Il y a un paquet de symptômes qui sont reliés à l'intestin qui s'encrasse. Et commencer à tousser. Quand oui. la toux part pas, c'est parce que le mucus ne peut plus s'éliminer par en bas. Oui. Donc, ça remonte par en sarfoule. Bien, c'est parce que la matière, quand elle fermente, elle devient un gaz. Le gaz comprime la paroi de l'intestin. L'intestin, c'est comme une saucisse. C'est très flexible. La paroi se dilate. Elle devient mince. Elle devient poreuse. Le gaz traverse à travers la paroi, monte vers le haut. Puis lorsqu'on fait bouillir de l'eau, bien, le couvercle du chaudron va lever comme ça, continuellement. Mais quelqu'un qui tousse tout le temps, c'est des gaz qui n'arrêtent pas de monter par en haut. Puis le corps libère la pression en toussant tout le temps. Donc, au fil des semaines à venir, Christian, tu vas nous montrer comment nettoyer notre intestin. Oui, faut absolument. C'est comme si vous viviez dans une maison puis les égouts ne fonctionnent pas, les déchets foulent dans la maison puis la maison devient très insalubre. Quand votre intestin ne fonctionne pas bien, les toxines refoulent dans votre corps puis vos cellules se mettent à baigner dans un milieu toxique puis c'est là que les symptômes apparaissent. C'est comme ça que ça fonctionne. À suivre, stay tuned, comme on dit en anglais. Bonjour! Bonjour, Jacinthe, comment ça va? Ça va bien. C'est la première fois qu'on se rencontre, mais on n'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, avant qu'on démarre les caméras. Donc, Jean-Philippe, que tout le monde connaît, là. Mais ce que tu m'as appris, c'est que toi, tu cuisines sur Facebook, tout ça. Tu es cuisinier, tu es chef. T'es-tu chef? Chef de formation. Je peux-tu le dire? Oui, oui. OK, parfait. Et tu as ta page Facebook où tu fais tes vidéos, tu as ton site aussi, et c'est énormément suivi et partagé, autant en anglais que tu me sors des chiffres de millions de visionnements. J'ai commencé ça il y a 2 ans environ, de chez moi, à Victoriaville à l'époque. Avec tes 2 caméras. J'ai commencé avec une petite caméra, même pas une caméra de téléphone, pire que ça, là, une espèce d'affaire qui traînait chez nous. T'sais. On appelle ça une flip caméra, puis j'ai commencé à filmer un petit peu parce que ma blonde, elle me disait, tu sais, tu devrais partager tes recettes. Parce qu'elle trouve ça bon. C'est ça. Elle dit, tu sais, moi, c'est vegan ce que je fais, il n'y a pas de viande. Fait qu'elle dit, tu devrais filmer. Puis je voyais un petit peu les vidéos qui se promenaient sur Facebook comme Tasty. Oui. Tu sais, il y a comme une caméra au plafond. En haut, puis tout se fait accélérer. Tout se fait accélérer. Ça fait que j'ai dit, bon, je vais faire ça. J'ai fait une soupe. Puis là, un potage de courge, c'était l'automne. OK. Puis tout d'un coup, le lendemain, j'avais 4000 personnes qui avaient vu ça. Mais voyons. Toute ta nourriture est vegan, 100%. Et je pense que les gens veulent de plus en plus. Ils ne savent pas comment. Ça se peut-tu? Exactement. C'est-tu ça? Les gens ne savent pas par où commencer. Et de facilité, de simplicité. Les gens, il n'y a pas un médecin qui va dire tu devrais donner plus de bacon à tes enfants. Tu sais. Maintenant, on est rendu à une époque où les gens, ils savent. Oui. Ils savent qu'ils veulent. Il faut qu'ils réduisent leur consommation de viande pour l'environnement, pour la santé, pour les animaux. Absolument. Toutes des bonnes raisons. Oui. Mais par où commencer? Par où commencer? Puis comment convaincre? Je te pose la question. Il faut commencer simplement avec des produits qu'on a chez nous. Commençons par nos recettes qu'on a déjà, notre sauce à spaghetti, notre pâté chinois. T'sais? Parce que c'est pas parce que toi, tu décides de manger moins de viande. Souvent, nous autres, là, on est prêts. Qu'est-ce que tu veux dire, pâté chinois? Ben, pâté chinois aux lentilles. OK, tu mets juste des lentilles au lieu de la viande. Je sais qu'il y en a qui font moitié-moitié, mais tu sais, tant qu'à y être. Moi, j'essaie de rejoindre les enfants puis les conjoints. Parce que quand les gens, ils veulent arrêter de manger de la viande, je leur dis, commencez par un animal à la fois, votre conjoint. Parce que souvent, c'est le conjoint. Oui. Tu sais, oui, oui. Il y a des gens qui m'écrivent, ma fille, soit qu'elle revient de l'école, puis là, elle a vu un reportage, puis elle veut plus manger de viande, ou mon conjoint veut trop manger de viande. Tu sais, qu'est-ce que je fais? Fait que là, on a 5-6 recettes dans la vie. Hein? On roule toujours avec les mêmes affaires. Oui. Fait que si le jeudi, c'est tofu général Tao, bien, c'est réglé. À tous les jeudis. Là, c'est ça qu'on fait, parce que t'as apporté on va faire, tofu. Là, j'ai apporté du soya aujourd'hui, puis du tofu. Deux grands crowd pleaser. OK, et facile. Facile ben, quand on veut changer, c'est quand on veut éliminer de la viande. Et là, tu voulais, avant qu'on commence à cuisiner, là, tu voulais lancer un défi aux gens, parce qu'on est en janvier, les gens ont besoin de s'alléger. 7 jours sans viande. Qu'est-ce que ça va essayer faire, ça? Ça va changer votre vie. Tu sais, il faut aller
dans la vie, il faut aller all-in pour réaliser à quel point on est accroché à quelque chose. Il faut y aller à 100 %. Ouais. Pas dire « Ah! » Pas juste le lundi. Non. Puis les gens qui sont devenus véganes, végétariens, souvent, ils ont commencé par un défi 21 jours. Ils ont commencé par… Quand tu arrêtes de faire quelque chose pour un certain temps, tu réalises « Hey! » Je faisais tout le temps ça. Toi, as-tu toujours été végane? Pas du tout. Moi, il y a 5 ans, si tu m'avais dit « Tu mangeras plus de viande, tu mangeras plus d'œufs, tu mangeras plus de fromage, plus de produits laitiers », probablement, je t'aurais dit « Je vais te faire des sandales avec des bas, tu sais. » Tu comprends? Ouais, je comprends. À l'époque, moi, c'était moi qui faisais cuire la viande dans les restaurants. OK. Jusqu'au jour où que j'ai servi un banquet avec de l'agneau. Oh non! Pour 400 personnes. Ça fait que là, comme... C'était dans un salon mortuaire, en plus. Oh non! Et je suis pas d'accord. Tu sais, moi, ça me dérange pas que ma famille mange de la viande, en autant qu'elle l'ait bien vécue. Un agneau, on n'a comme pas le droit de tuer un bébé. Ben, c'est ça. Alors, tofu, beurre d'arachide. Échalote française. C'est ça, une échalote. Ça, c'est une échalote. C'est un petit peu plus sucré qu'un oignon. Ah, OK. Puis dans les restaurants, là, ça, c'est le secret des restaurants gastronomiques, entre autres, les échalotes. C'est vrai? On en fait des batchs. Puis je sais pas pourquoi, à l'épicerie, ça se vend pas tant que ça. T'sais. Mais là, toi, qu'est-ce que tu fais, Jean-Philippe? OK, t'es vraiment un chef. J'ai peur pour tes doigts, mais inquiète-toi, on dirait que tu sais ce que tu fais. Inquiète-toi pas pour mes doigts. On va partir sur ça. Je sais pas si t'as de l'huile. Bien sûr. L'huile. Fait, regarde, c'est pas compliqué. On met nos échalotes. Ça, c'est important d'entendre le petit pish. Ah, OK. Ça veut dire que notre poêle est assez chaude. On va juste faire suer ça un petit peu. OK, ça, c'est un terme, suer, tu vois. Ouais. Ça veut dire, ça veut pas dire faire griller. Faut pas qu'il y ait de coloration. Faut juste que ça ramollisse un petit peu. OK. L'ail. Fait que de l'ail, là, c'est le même principe, là. On peut acheter ça grossièrement. L'ail, on la met après les oignons parce que l'ail, quand ça brûle, c'est vraiment pas bon. Ça développe une amertume. OK. Fait que de l'ail, faut pas que ça brûle sous aucun prétexte. Ça suit? Tu as vu comment que ça, ouais, ça sue? Puis après ça, je sais pas si on peut remettre une petite goutte d'huile, juste bien pour dire. Sûr. L'huile d'avocat, j'aime ça parce que c'est une bonne huile de cuisson. Tu sais, ça... Oui, parce que ça a un point de fumée pas trop... Ouais. Tu sais, faut pas avoir peur de jouer avec le feu, hein? OK. Des fois, dans les recettes, c'est écrit feu médium, feu... Il n'y a pas un poêle qui est pareil. Chaque four, chaque poêle est différent. Fait que là, on va mettre la sauce soya là-dedans. Parce que le meilleur ami du tofu, c'est la sauce soya. OK. C'est la même chose, finalement. C'est du soya. C'est fermenté. C'est des aliments fermentés. C'est extraordinaire. J'ai ma petite cuillère ici. Là, on va apprendre un terme aujourd'hui qui est déglacé. C'est quoi déglacé? Ça va faire push. Attention. C'est ça, déglacé. OK. Quand on dit déglacé, c'est d'aller chercher le fond, gratter un petit peu dans le fond s'il y a quelque chose de collé, parce que c'est là qu'il se cache le goût. Le goût. Il est dans le fond du petit collé, là. Donc, déglacer, c'est aller chercher déglacer, le goût. C'est aller chercher le goût avec un liquide. Des fois, on peut déglacer au vin blanc. On peut déglacer avec du jus de pomme. Ah, ben. Peu importe. OK. Ensuite, mon deuxième ingrédient préféré. Et t'en mets partout, c'est l'érable. Ah, c'est ça que je t'ai entendu dire. On est au Québec. On est au Québec. Oui. Pourquoi mettre du sucre blanc non, quand tu peux utiliser du sirop d'érable? Hein? Un petit peu de beurre d'arachide. Oui. 4 cuillères à soupe de beurre d'arachide. Donc, ça te prend tes cuillères. Ah, il est là, puis ça te prend tes cuillères. Moi aussi. Là, tu vas connaître Charles. Et Charles, c'est le plus difficile. Ah ouais? Il va grimacer. Avant. Ah ouais? Oui. Un petit peu de bouillon de légumes là-dedans. C'est-tu toi qui le fais ou tu l'achètes? Moi, je l'achète. Moi aussi, je l'achète. Ça prend pas tant d'instruments que ça, puis ça salit pas de vaisselle. Regarde, j'ai juste un poêlon, là. Tu as mis toute ta tasse. J'ai mis une tasse de bouillon, puis là, on met ça. On fait réduire. Faire réduire, ça veut dire que le liquide se s'évapore. C'est pour ça qu'il faut saler. Rectifier l'assaisonnement à la fin d'une recette. OK. C'est parce que le sel, ça ne s'évapore pas. Fait que si tu sales au début, il faut faire attention avec les bouillons de légumes. Hein. Si tu sales au début, tu dis « Ah, ça manque de sel », attention, parce que là, s'il réduit de moitié, mon sel, il ne s'est pas évaporé. Fait que ça va être trop salé. Fait qu'à la fin, si on veut, on met un petit peu de sel. Fait que là, regarde, qu'est-ce qu'on a fait à date? On a mis
de l'ail, des échalotes, du sirop d'érable, de la sauce soya, toutes des affaires qu'on trouve à l'épicerie. Là. Ouais, ça, c'est important pour moi aussi de ne pas être obligé de prendre une année sabbatique pour trouver les ingrédients. Là. Là, il manque un ingrédient dans notre recette, la sauce sriracha. Ah, ça, attention. Ça, c'est une sauce thaïlandaise, parce que j'ai voyagé en Thaïlande, j'ai pris des cours de cuisine là-bas. Ça, c'est très, très, très piquant. OK. Fait que si vous avez des enfants, là, on commence une petite mini-goutte. Mais c'est important. Écoute, je suis désolée, là, c'est parce que t'es ma visite, mais je vais te laisser pour aller juste réconforter bébé. T'es habituée d'être seule avec des caméras, mais... Vas-y, je continue. Tu ne trouveras pas mal poli. OK, parfait. Donc, pour les gens à la maison, ici, on peut voir... Comment ça réduit, la sauce va épaissir. On n'a pas besoin d'ajouter de fécule de maïs. Des fois, là, les gens ils disent on va ajouter de la fécule de maïs pour épaissir. Réduire, ça veut dire mettre son feu assez haut jusqu'à ce que ça s'évapore. Il faut toujours brasser pour pas que ça colle. Pendant ce temps-là, on va baisser ça un petit peu. On va se faire une petite décoration parce qu'on mange avec nos yeux, n'est-ce pas? Fait que pour que ça soit beau, on va utiliser nos oignons verts. On va venir faire des petites juliennes ici. Oignons verts, bien rincés. On coupe ça en biseau. Une petite lime qui va venir contrebalancer le sucré du sirop d'érable. J'ai un autre secret ici. Dites-le pas à personne, c'est du ketchup bio. Ça, là, le ketchup, là, c'est vinaigré. On se rend pas compte, c'est vinaigré, c'est du vinaigre avec de la pâte de tomate puis du sucre, that's it. Fait que si vous voulez pas mettre de ketchup, mettez un petit peu de vinaigre avec un petit peu de pâte de tomate. Mais ça, c'est ça qui fait la différence entre « Maman, j'aime pas ça » puis « Maman, c'est donc bien bon, quand est-ce qu'on en remange du tofu? » Ça, c'est l'onctuosité qu'on veut. On peut aller mettre ça avec du riz brun. Si ça manque de sel, on rajoute du sel. C'est parfait. Okay, attention. C'est un plat, comment ça s'appelle? Attention, pourquoi? Tofu. Alors, c'est pas du tofu. C'est pas du tofu, c'est vrai. Alors, c'est un plat... C'est épicé. OK, ah, mais ça, épicé, directement. Faut qu'on fasse attention. Je sais pas si t'aimes ça épicé, là, mais attention, hein, parce que ça, le feu va te sortir par les oreilles. Ah! C'est bon, hein? C'est-tu bon? Trop épicé? J'ai juste mis un petit peu. Donc? Regarde, Charles, ce que j'ai mis là-dedans. OK, c'est un plat pour adultes. Ça, c'est une des sauces les plus fortes en Amérique. Je t'ai dit, ça, c'est le test ultime. Le test ultime. C'est pas facile avec Charles. Merci, moi, j'adore ça. Oui, bon. Ouais. J'aimerais ça goûter, si jamais tu peux m'attendre. Déjà. Alors, Céline, merci d'être là. La dernière fois que tu es passée, je t'ai parlé de ton guide de soins naturels, comment il m'avait aidé pour le titre de mon garçon. Je lui ai mis du jus d'oignon dans l'oreille. Et là, je fais la même chose avec mon chien. Parce qu'elle a le titre. OK. Ouais. Mais tu as parlé du cataplasme. Le cataplasme de moutarde, c'est quelque... C'est sûr que ce qu'on parle aujourd'hui, d'aucuns vont dire que c'est des remèdes de grand-mère. Là, aujourd'hui, bon, peu de gens utilisent ça, mais c'était très utilisé autrefois. Pourquoi moi, j'en parle encore et je trouve ça intéressant, c'est que je me dis toujours, demain matin, on n'a plus de pharmacie. Demain matin, il arrive quelque chose, puis on n'a pas accès là, aux médicaments. Comment on fait pour se soigner? Et je trouve que c'est des outils vraiment intéressants quand on sait bien les appliquer. Alors, le cataplasme de moutarde, c'est vraiment bon au niveau des bronchites, même des crises d'asthme ou de la pneumonie, ou la toux, finalement, tout ce qui est de toux. Je découvre. Et le principe, c'est que, alors, on prend un bol, tout simplement, et on va mettre de la farine. Ah. On ne mettra jamais de la moutarde pure. Ah. OK? Alors, je vais mettre à peu près 3 cuillères à table, c'est à peu près, là, oui. de farine, comble, OK, vraiment comble. Puis ensuite, Que comble, on peut dire. Oui, double. Vraiment, presque double. Oui, c'est pas si important. Non, pas du tout. Parce que si c'était pour un jeune enfant, parce que quand on pense à un jeune enfant, on pense que la peau est plus sensible. Ou admettons, oui. Toi, tu sais que ta peau est très, très sensible, on va mettre plus de farine. On va couper la moutarde pour que ça chauffe moins vite. OK. Et là, je reprends, j'ai mis 3 cuillères à soupe de moutarde
Et là, je vais prendre, je ne suis pas capable de le faire comme il faut, on va le mettre comme ça, et je vais mettre une cuillère à soupe, trois cuillères à soupe de farine, pardon, puis une cuillère à soupe de moutarde. Parfait. Et là, je vais le brasser tout simplement. Normalement, je sais que je veux faire mon cataplasme tout de suite. Et il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir du froid sur soi. Alors, normalement, là, je ne l'ai pas fait ici, je vais mettre de l'eau à la température de la pièce, mais moi, je mettrais de l'eau chaude. Ah, mais j'en ai de l'eau chaude, je l'ai fait bouillir tantôt. Elle est vraiment encore chaude, là. Il faut que ça me fasse comme une pâte. OK, on va attendre un petit peu. Alors, vous voyez, ça fait... Ça, c'est pour faire notre cataplasme de moutarde. Ce que je veux avoir, c'est comme une pâte à gâteau. Oui. Ça marche? Tout simplement. Alors, dépendamment de la grandeur, de la grosseur de la personne, bien, on pourra en mettre plus ou moins. Après ça, mais je vais prendre... Mais là, il sera plus bon tantôt. Ce soir, il sera plus bon. Un cataplasme de moutarde, bonne question. C'est bon, on le fait tout de suite, parce que nous, il est à la lumière. On ne veut pas qu'il perde son efficacité. Mais on pourrait le faire sur deux personnes. Admettons que j'ai deux enfants qui sont malades. Je pourrais mettre le cataplasme sur le premier enfant parce qu'on le met directement sur la peau. On peut le mettre à l'avant, puis je pourrais en mettre un autre à l'arrière. OK, on pourrait en mettre deux. Et je pourrais reprendre le même cataplasme puis le mettre sur un autre enfant. Parfait. La seule chose, c'est que le premier va chauffer plus vite. Chez un enfant, ça prend 3 minutes, à peu près 4 minutes, puis la peau est déjà rose. Oh. Tandis que la deuxième fois qu'on va l'utiliser, peut-être ça va prendre 8 minutes ou 9 minutes. Ça va être un petit peu plus long. Ça Parfait. Va? Et le principe du cataplasme, soit qu'on utilise un coton à fromage, OK, ça se vend en plaquettes, là, roulé comme ça. Un coton à fromage, c'est vraiment le coton qu'on utilise là, pour faire les fromages. Donc, c'est un... Ou les laits de noix. Oui, aussi, ça pourrait faire, tout simplement, parce qu'on les lave. Oui, oui, on peut les laver. Alors, on veut quelque chose qui laisse passer un petit peu, mais qui ramasse aussi la substance. Là. Parfait. Donc, mais je pourrais prendre aussi un linge à vaisselle qui est vieux ou une nappe de coton qui est mince, tu sais, une nappe de coton qui est très mince. Alors, on va étendre tout simplement la moutarde, la grandeur du thorax de la personne. Donc là, si je pense à un enfant, bien, je veux dire un enfant là, de 3 ans, là, c'est en masse cette grosseur-là. Donc vraiment, pas son bedon, c'est vraiment la région pulmonaire. OK? Donc, on l'étend comme ça. Et après ça, on fait ce que tu as fait. Je le plie comme si c'était un cadeau, OK, dans ce sens-là. Mais en dessous, je garde juste une couche de tissu. Alors ici, j'ai beaucoup de tissu, mais de ce côté-là, j'ai pas beaucoup de tissu, OK? J'ai juste une tranche. Je vais l'essayer. Comme ça, oui, c'est ça. Mais on va voir. Mais si tu sens que ça picote, parce que normalement, quand le cataplasme de moutarde, il est bien fait, il est réussi, je sais pas quel âge elle a ma moutarde, là, je veux dire, ça va faire un picotement. Alors, ce que je conseille, moi, aux parents, c'est qu'on s'assoit toujours à côté de notre enfant parce que autrefois, on disait, ah, il y a quelqu'un qui s'est brûlé au troisième degré avec son cataplasme de moutarde. Mais c'est parce que les gens mettaient la moutarde directement sur leur peau. Faut pas faire ça. Ou la personne est toute seule à la maison puis elle s'endort avec son cataplasme. Il faut pas faire ça non plus. Donc, on reste éveillé. Et quand ça picote, ça veut dire que ça commence à devenir rosé. Et quand ça picote, l'enfant le dit, ça pique, ça pique. Sinon, il va vouloir l'enlever. Puis moi, je lève un petit coin, puis je regarde si la peau, elle a commencé à roser. Okay. Tu comprends? Il faut que la peau ne soit pas rouge comme un homard, mais rosée comme un coup de soleil. OK? Parfait. Et ça, c'est suffisant. Alors, je reprendrai le cataplasme. Là, je l'enlève. Et c'est comme si on a amené de la rougeur au niveau de la peau. Alors, on n'essuie pas la peau parce que ça fait une humidité à cause de la moutarde. Alors, on va juste éponger avec une petite débarbouillette, puis on habille le petit enfant, puis on le laisse coucher, on l'abrite. Tu comprends? Oui, je comprends. Donc... Est-ce qu'on fait ça les jours suivants aussi? On le fait. Moi, je conseille de faire les cataplasmes de moutarde avant les dodos. Parce que oui, la toux, c'est nécessaire, la toux, parce qu'en général, la toux, c'est parce que c'est productif, on veut éliminer le méchant, comme on dit. Ouais. Mais trop de toux, ça nous empêche de dormir. Et on a besoin de dormir pour se reposer, pour récupérer, pour être capable de guérir. Alors, le cataplasme va nous aider à mieux dormir. Donc, on va le faire avant les dodos. Et on pourrait le faire 2 fois, 3 fois par jour sans problème. Okay. Alors, quelqu'un qui a une grande toux, on pourrait le faire en avant, puis on pourrait le faire en arrière. Puis, pendant qu'on peut le faire 6 jours, on peut le faire oui, y a aucun jusqu'à problème. Temps que ça passe. Oui, il n'y a aucun problème. C'est sûr que c'est comme n'importe quel soin. Si on vous a prescrit un antibiotique, puis vous avez fini votre antibiotique, puis ça ne va pas, bien, vous retournez voir votre médecin. Si vous faites des cataplasmes, puis vous ne voyez pas d'amélioration, vous n'attendez pas 3 semaines. Pour la toux,
Alors, oui. Il y a aussi une autre sorte de cataplasme qu'on peut faire. Super! Le cataplasme avec des graines de lin. OK. Alors, ça aussi, la quantité est approximative, dans ce sens que là, c'est une demi-tasse de graines de lin que j'ai mis dans la casserole avec une tasse d'eau, une eau de qualité, et je l'ai brassée, je l'ai fait chauffer. Je suis rouge, là. Oui. Donc. Un petit peu. Là, on le voit. Mais tu aurais pu être plus rouge que ça. On aurait pu attendre. Alors, le principe au niveau de la graine de lin, il est encore chaud, c'est que c'est la chaleur qui va aussi faire agir. Est-ce que ça a un lien aussi par rapport au mucilage? Je ne sais pas. Cette fois-ci, nous allons prendre le coton à fromage. OK. Et là, je ne le mettrai pas au complet. Donc, on le fait chauffer, nos graines de lin, pour que ça fasse vraiment une glue. OK? On le voit. Alors, une gélatine. Hein? Ouais. Donc, ça fait vraiment comme une galette, comme un gros biscuit, hein, finalement. Alors, on le ferait la grandeur du thorax aussi. Et c'est toujours le même principe. C'est sûr que le coton fromage, il y a toujours au moins un 2 épaisseurs en dessous, mais c'est pas grave parce que c'est transparent. Et on le referme comme ça. Et c'est cette partie-là qu'on va mettre sur la peau. Comme là, tu vois... Il ne faut pas le mettre brûlant. Nous, il y a eu le temps de refroidir là, le cataplasme de lin. Si vous sortez de la casserole puis vous le mettez sur la peau, vous allez brûler votre enfant. Alors, il faut vraiment toucher, garder votre main, votre poignet dessus pour voir est-ce que c'est trop chaud, tu sais, quand tu le laisses comme ça. Fait que là, tu le mettrais sur toi. Alors, on couvrerait les poumons. C'est la même chose. Et c'est vraiment très efficace, rapidement. Et c'est la chaleur. Donc, la chaleur, encore là, liquifie les sécrétions, amène une détente, aide à enlever l'espace, hein, qu'on a des spasmes de tout. Combien de temps on le garde? On le garde. Il pourrait le garder toute la nuit. Celui-là? Oui, tout à fait. De celui-là. Ça ne crée aucune rougeur. C'est vraiment la chaleur. Et est-ce que c'est l'effet? Est-ce que je mettrais une bouillotte, ça aurait le même effet? Je ne peux pas dire la raison, mais je sais que le cataplasme de graines de lin aide vraiment à liquifier les sécrétions, à enlever la toux, puis génial. On pourrait le garder toute la nuit. Tout à fait. Puis ça fait du bien. C'est comme ma mère, elle mettait un bas de laine avec du Vicks. Oui. Ça fait du bien de se faire soigner. Tu sais, d'avoir un petit peu de chaleur puis d'une attention particulière. Tu viens de dire quelque chose d'important, Jacinthe, parce que je m'en venais ici puis je me disais, mais voyons, Jacinthe veut que je parle de cataplasme. Pas juste moi, tout le monde l'a demandé. Mais les gens, aujourd'hui, malheureusement, ils prennent plus le temps de se soigner. Les gens sont malades, puis il faut aller travailler. Les enfants sont malades, il faudrait qu'ils aillent à l'école quand même. Et on ne se rend pas compte qu'on a besoin de prendre du temps pour se soigner, que l'amour soigne. Mais moi, ce que je trouve aussi, c'est de développer des solutions. C'est de développer aussi une autonomie si je n'ai pas de médicaments sous la main. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour aider mes enfants ou pour m'aider moi-même? Et ça nous amène à parler de l'argile. OK. L'argile, ça fait quoi? Ça fait encore plus que ce qu'on a parlé tout à l'heure. Mais voyons. Donc, c'est vraiment bon dans tous les cas d'inflammation, de rougeur, d'infection, d'éruption, de brûlure même, de fièvre. Admettons, on s'écrase le doigt dans la porte d'auto. Hein, ça arrive, ça. Des fois, on s'écrase le doigt comme il faut ou en dessous de quelque chose de lourd. À ce moment-là, on pourrait faire un cataplasme d'argile et ça aide vraiment à rééquilibrer là, les tissus. Je vais... Oui. Comment continue? Je vais juste aller chercher bébé. Quand on fait notre cataplasme d'argile, normalement, si on peut le faire à l'avance, on va mettre de l'eau la même quantité qu'il y a d'argile. Ça veut dire si j'ai ça d'argile, de poudre d'argile ou d'argile concassée, je vais rajouter la même quantité d'eau pour le couvrir et je vais laisser l'eau pénétrer dedans. Et normalement, c'est sûr que si là, c'était des morceaux concassés, on verrait l'eau pénétrer là, dans l'argile, tandis que là, elle est en poudre, donc ça va être plus facile à pénétrer. Alors, quand on sait qu'on veut faire un cataplasme d'argile le soir, dès le matin, je pourrais, dans mon plat, un plat toujours en pyrex ou en bois. Jamais de métal avec l'argile. C'est important de retenir ça. Okay. Et le principe, une fois qu'il est imbibé, alors, comme je vous disais, quand c'est concassé, c'est un petit peu plus long, là, on va le brasser. Puis, pour aller chercher la texture. Bon, comme là, étant donné qu'elle est en poudre, j'ai mis trop d'eau, OK? Alors, je pourrais en rajouter. Puis là, je vais faire une pâte. Pour que ça fasse une pâte. Il faut vraiment, si vous le mettez à égalité, quand c'est une argile qui est concassée, vous n'aurez pas besoin de rajouter d'autres argiles dedans, là, parce que là, c'est juste que j'ai été trop généreuse dans mon eau. Alors, on fait une pâte à biscuits.
OK? Tantôt, le cataplasme de moutarde, c'est une pâte à gâteau. Hein? Parfait. Tandis que là, on va faire plus une pâte à biscuit. Le principe d'un cataplasme d'argile, l'épaisseur, c'est toujours 1 cm d'épaisseur qu'on met. Alors, on va reprendre un coton à fromage. On va le faire en petit quand même. Je le mets sur mon tissu. Et dépendamment où est-ce que je veux déposer le cataplasme, c'est sûr que si je veux faire un cataplasme sur un doigt, je vais mettre peut-être une pâte encore plus épaisse et je vais le mettre directement. Parce que le cataplasme d'argile, lui, on le met, quand on est capable, on va le mettre directement sur, puis, sur la peau. Et pourquoi tu dis que ça va être... Parce que nous, on fait ça au salon de beauté. On fait des masques d'argile. C'est, oui. Ça fait partie des masques. Parce que ça vient chercher les toxines, ça élimine, oui. Pour tous les cas de boutons. Tout ça, c'est, ça enlève les rougeurs, oui. Aussi, tout à fait, l'inflammation. C'est ça que ça fait. Okay, ça tire ça. Les toxines, l'argile. Pour la toux, est-ce qu'on va utiliser l'argile aussi? Non, on n'utilise pas l'argile pour la toux. L'argile, on va l'utiliser comme pour la fièvre. Admettons, parce que quand je mets l'argile directement sur ma peau, si c'est un doigt, c'est pas compliqué d'enlever l'argile, ou pour une brûlure aussi, il faut le faire directement. Mais admettons, je vais faire un cataplasme pour la fièvre, je vais mettre une couche mince de coton à fromage, puis là, je vais le mettre sur le bas-ventre, en dessous du nombril. Okay. Et à toutes les 30 minutes, je pourrais changer mon cataplasme. Dès qu'il vient chaud, parce qu'il va aller chercher toute la chaleur du bas-ventre, je veux dire, on le change et ça fait baisser la fièvre. Merci beaucoup. Alors, il faut l'expérimenter. C'est quand on l'expérimente qu'on voit vraiment tous les bienfaits de ça. Oui. Bienvenue.